Papa, pourquoi t'as fermé ta porte à clé? Papa, et quand est-ce que t'avais prévu de nous dire que maman ne viendrait pas? J'allais vous le dire. En fait, il y a une grève à l'aéroport du Mozambique. Elle pouvait pas hypnotiser un pilote et prendre un jet privé? Elle vous expliquera plus tard. Mais là, vous pouvez pas entrer parce que je suis en train d'emballer vos cadeaux. Non, c'est des salades, ça s'entend quand tu mens. Super. C'est qui cette poufiasse défraîchie? Dites-moi que je rêve. Écoutez, vous devez partir tout de suite. Excusez-moi, quel âge avez-vous? 16 ans aujourd'hui. Ouais, c'est notre anniversaire. Vous êtes jumelles? Vous faisiez quoi, là? Vous gênez pas? Continuez, allez-y. Je suis sérieux, sortez immédiatement de mon bureau. Lizzie. Quoi? Lizzie, c'est elle. Qui ça, elle? De qui tu parles? Mère biologique. Mais comment c'est possible? Je n'avais même pas encore de ventre en mariage, alors comment... Ta chère famille et leur clan de sorciers Barjo les ont implantés dans le ventre de Caroline après ta mort. C'est elle, leur mère biologique. Caroline? Je vois. Alors, vous deux... Vous... Non. Elle s'est mariée avec Stéphane Salvatore, qui est, pour ainsi dire, mort lui aussi pendant leur mariage. Mais ça, c'est une très longue histoire. N'empêche, ils sont restés très proches. On a fondé cette école ensemble. Elle est en voyage à l'étranger pour des missions de recrutement hyper importantes. Je m'appelle Lizzie. C'était le prénom de la mère de ma mère. Moi, je m'appelle Josie. Josette. Comme... moi. Là, le maître de cérémonie...